Salut et bienvenue à G-Spot et à Tito. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les étirements et les bienfaits qu'ils peuvent avoir sur notre corps, notre créativité et notre pêche en général. Est-ce que vous vous étirez souvent dans la journée ou dans la semaine ou souvent dans le mois, dans l'année? Imaginez si on n'avait pas besoin d'attendre notre cours de sport pour faire des étirements à la fin. Imaginez si on pouvait s'étirer tout le long de la journée, à chaque fois qu'on y pense, à chaque fois qu'on reçoit le message de notre corps « Ah, j'aimerais bien m'étirer les bras là ». C'est un peu ce que font les animaux. Avez-vous remarqué ça? Avez-vous un animal chez vous? Quand j'ai commencé à garder Tito, ça m'a frappé le nombre de fois qu'il s'étirait dans la journée. Au moins 70 fois par jour. À chaque fois qu'il se déplace, il met ses pattes devant lui et hop, il étire tout son corps. Des fois plus longtemps que d'autres, mais il le fait très souvent. J'ai commencé à me demander, est-ce que moi je dois peut-être m'étirer plus que je le fais? Et en même temps, il n'y a pas de hasard, j'ai rencontré un masseur qui, à la fin des massages, me disait, ces muscles-là sont un peu tendus ou ici c'est un peu contracté. Voici des mouvements que tu peux faire pour les changer. Et peut-être comme vous, ça fait pas mal de temps que je fais du sport, de la danse. J'ai beaucoup de livres par rapport à ça. Je me disais, et j'avais pas trop la motivation de le faire. Mais il m'a dit, même si c'est que 2 minutes par jour, commence avec ça et vois la différence que ça peut faire. Donc, j'ai commencé à le faire et c'est incroyable la différence. Au bout d'un moment, j'avais beaucoup plus de fluidité dans mon corps et le masseur l'a remarqué aussi, que les muscles qui avant étaient tendus étaient plus souples. Donc, j'ai commencé à le faire beaucoup plus qu'avant et vraiment, ça change tout après. On se sent mieux, on peut faire plus de choses, on se sent mieux après l'effort physique aussi. Donc, est-ce que votre corps pourrait bénéficier de faire quelques étirements de plus, des étirements dans la journée? Je vais vous montrer 4 mouvements que vous pouviez faire. Et si vous avez des questions ou des expériences similaires, n'hésitez pas à les laisser en bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Dis au revoir Tito. Ok, donc voici les 4 mouvements. Bien sûr, il existe des centaines d'étirements. Donc, regardez un petit peu ce qu'il y a. Et s'il y en a un qui vous attire plus que l'autre, peut-être c'est votre corps qui vous dit « Celui-là, j'ai envie de faire ce mouvement-là. » Ok? Sugar and spine, I feel nice. A sugar and spine, so nice, so nice. I got you. Tito, tu veux faire du stretching? Ah, super. Bravo. Well done. That's excellent. Encore un peu de stretching. Allez, more stretching. Good. Il veut pas de faire ça.